Thomas Sawyer, ou l'Amérique rêvée par les Japonais. Fantasme d'espace, grand fleuve, territoire pionnier, mais vu à travers le prisme de dessinateur jardinier, amoureux d'une goutte de rosée sur les tomates, des sandwichs sortis de leur boîte à l'heure de la récréation. Et fasciné par une verdure parfois presque tropicale, arbres géants, orages, stridulations nocturnes des criquets, le bel été de la vie sauvage. La vie sauvage, cette vision partagée par les civilisés, d'une solitude dans la nature, à la fois crainte et désirée. Où est-ce que tu te crois? Tu es un pirate, tu n'es plus chez toi. Jungle, désert, Thébaïde. Île, paradis perdu. Mais pour l'atteindre, il faut savoir tout quitter, déserter l'école pour les buissons, se faire bandit ou pirate, désoler ses proches pour disparaître on ne sait où, à écumer les marges. Si notre civilisation s'effondre, certains survivront, qui pourront peut-être même retourner de cet état de sauvagerie jusqu'au relatif confort de petites sociétés de style 19e, comme le Saint-Pétersbourg de Tom. Mais l'essentiel sera ce retour de l'espace et du vide, de cette nature que se plaisent tant à dessiner les aquarellistes japonais de la série, si pleine, si suffisante, que l'on pourrait ôter les personnages de l'histoire pour ne laisser que ces intervalles d'eau, de ciel, de bois, de feu solaire. Tant qu'on sera là, on n'ira plus à l'école. On va bien s'amuser, j'espère. Je cherche à ensauvager la culture, à la rendre à la fois plus drôle et plus inquiétante. Faudra faire attention de ne pas marcher sur un serpent.
figure inquiétante de Durl indien dans la ville. J'amène une part étrange, la proximité colorée avec les plantes, les bêtes, les barbares, où le trop-plein de connaissances devient intuition, et où les objets de civilisation peuvent se mêler pour acquérir de nouvelles propriétés. Cette manière de vivre est vraiment formidable. Nul besoin dès lors de quitter la vie confortable dont nous sommes fatigués, car la ville redevient le terrain d'une vitalité imprévisible, tandis que l'homme des bois fait preuve d'un savoir sophistiqué, un peu sorcier. Face à des œuvres complexes, brutales, douces et simplettes, nous nous sentons soudain rajeunis, ranimés, secoués par les sèves et le vent qui se lève. Le temps de l'apercevoir, conservons précieusement le sentiment de cette beauté féroce. Nous en aurons besoin pour préparer un monde meilleur, un monde qui nous échappe encore. Thank you.